Et bonjour les amis, comment allez-vous pour l'épisode? C'est parti, on va commencer un épisode encore bien plus fun. Bon, vous vous rappelez que l'épisode précédent, ça a été un peu galère. Aujourd'hui, j'espère que dans cet épisode-là, en tout cas, on va faire mieux. Et je l'espère d'ailleurs. On va faire un épisode un peu mieux que par rapport à l'épisode précédent. On va vous rappeler qu'il fallait qu'on contrôle Oscar. Et qu'après aussi, il fallait qu'on... On s'est fait repérer par des chiens mécaniques. Et maintenant, et ben c'est parti pour l'épisode 13. Vous vous rappelez qu'on est on arrivait à cet endroit-là. Et maintenant, ben on va rejoindre la quête Volka. Parce que vous voyez, on rejoignait quête Volka. Et ben c'est parti. Parce que bon, on peut justement faire la suite de l'épisode. Et par contre, vous avez bien vu que dans l'épisode précédent, il y a eu une de... contamination qu'il n'a pas pu avoir avec Oscar parce qu'il y a eu un souci ou je sais pas quoi. Enfin, vous verrez ça dans l'épisode. Allez, moi je vous dis bon épisode et à tout à l'heure. Voilà qui est fâcheux. Il vous faut partir sans moi, Kate Walker. Je me débrouillerai. Il n'en est pas question. Kate Walker, je dois présenter un taux de radioactivité très conséquent. Ma présence à vos côtés dans cet état mettrait votre organisme en danger mortel. J'imagine que ce n'est pas souhaitable. Je vous le répète, nous ne partirons pas sans vous. Il me suffit juste de trouver un peu d'iode. L'iode est une denrée rare, Kate Walker. Pas de pessimisme, Oscar. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Très bien, Kate Walker. Impossible. Sûrement pas. Procédure de décontamination en cours. Veuillez rester immobile. Procédure de décontamination terminée. Ouverture du sas. Contente de vous retrouver, Oscar. Oh, eh bien... Comment dire? Je... ne suis pas mécontent non plus, Kate Walker. Allez rejoindre les Yukol, Oscar. Dites-leur de se préparer à partir. Je vous rejoins rapidement. À vos ordres, Kate Walker.
enfin à l'air libre. Ah, je ne suis pas fâché de quitter cet enfer. Et maintenant ? Nous campons ici pour la nuit, et nous reprenons la route dès les premières lueurs de l'aube. Notre prochaine étape sera alors la dernière dans ce pays. Le pont séculaire qui enjambe la rivière Balatom et qui fait office de frontière avec le Yakastan. Une fois franchi, nous serons à l'abri de nos poursuivants. Voilà une bonne nouvelle. À plus tard, Kirk. Miss Catwalk! Réussis à m'arranger avec précédent occupant. Yourte pour toi jusqu'à fin du voyage. Ancien occupant va habiter autre yourte pour que Miss Catwalk dorme dans celle-là. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part, Monsieur Brut. Merci beaucoup. Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. C'est gentil de leur part. Oh, vivement, vivement, vivement. Autruches peuvent brouter et se reposer. Sont contentes. En métal, l'air gentil, finalement. Kate Walker, tu es bien installée ? Oui, merci pour la yourte. D'ailleurs, je vais pas traîner. Je tombe de fatigue. Hélas, la nuit risque d'être longue. Pourquoi donc ? Miss Kate Walker, regardez l'une. La lune rouge. Elle n'entre dans cette phase que très rarement, tous les 20 ans environ. Pourquoi est-ce aussi important ? La lune rouge donne lieu à une cérémonie sacrée très importante pour les Yukol. Un rituel qui permet d'attirer sur la transhumance la faveur des esprits et d'avoir ainsi une chance d'arriver à destination. Depuis la nuit des temps, cette cérémonie se tient dans le temple de la lune rouge. Je n'ai aperçu aucun temple dans le coin. Là est problème, Miss Catwalker. Depuis dernière transhumance, temple disparu. Un temple ne peut pas disparaître comme ça, voyons. Sauf s'il est noyé sous des tonnes de béton. Vous voulez dire que le temple aurait été sacrifié pour les besoins de la construction de ce stade ? On raconte que le guide spirituel de la précédente transhumance, mon prédécesseur en quelque sorte, aurait trouvé le moyen de sauver le temple. Comment a-t-il fait ? Le guide Kantika, accompagné de quelques autres valeureux Yukol, ont proposé leur service comme ouvriers sur le chantier. Ils se sont révélés de très habiles maçons, au point de parvenir à dissimuler notre temple sous le béton sans que cela se sache. Des mois durant, ils ont travaillé la nuit, à l'abri du regard des architectes et des contremaîtres. Yukol usé par travail pour sauver Maison des Esprits. Ils auraient cependant réussi dans leur entreprise, et notre temple serait bien ici quelque part, dissimulé sous ces constructions modernes. Hélas, les pauvres sont morts d'épuisement. C'est terrible. Je...
Je suis désolée. Ti espiritulu, macra enoch, bicnog vanu. Par ces termes, la tribu rend hommage à leur sacrifice. Ti espiritulu, macra enoch, bicnog vanu. Temple doit bien être quelque part. Moi, dire tribu, recherche et temple. Mais aide de Miss Catwalker, pas de trop. Et vous n'avez aucun plan? Pas la moindre indication de l'endroit où pourrait se nicher ce temple? Nous savons juste qu'il est ici, quelque part, recouvert de tonnes de béton. Nous devons absolument le retrouver, Kate Walker. Écoute, je comprends que vous vouliez honorer vos traditions, et je le respecte. Vraiment. Mais est-ce que ça n'est pas dangereux de courir après un temple qui n'existe peut-être plus? Nos poursuivants doivent être tout proches. La bénédiction des esprits est indispensable, Kate Walker. Sans elle, il nous sera impossible d'entrer au Yakastan. Dans ce cas, au travail. Les Yukol ont déjà commencé les recherches? Bien sûr. N'hésite pas à les solliciter si besoin. Tu es sûr qu'Olga et le colonel ne pourront plus nous poursuivre une fois la frontière passée? Certain, Kate Walker. Le Yakastan est hors de leur juridiction. En quoi consiste exactement cette cérémonie? Le rituel de la Lune Rouge vise à attirer les faveurs des esprits sur notre caravane. Une purification avant de pouvoir franchir la frontière du Yakastan. C'est aussi une forme d'épreuve très personnelle. C'est difficile d'expliquer cette cérémonie en quelques mots, Kate Walker. Il faut le vivre soi-même pour pouvoir comprendre. Bon, je vais aller chercher de mon côté. Miss Catwalk trouvait temple? Une collection que ne renierait pas Katerina.
La prochaine fois, réussirai sans aide. Illisible. Illisible. Étrange. Les inscriptions ont aussi été traduites en Yukol. Voyons celle-ci. Siji, oncle Burdundana, mort le marteau à la main. Dunyasha Dubrovskaya Tika, enfin délivrée d'une veille sans relâche, puisse-t-elle avoir rejoint les siens? À Anissa Dubrovskaya Tika, ma mère bien-aimée qui a prouvé que l'amour ne s'encombre d'aucune origine. Mais qui pouvait vivre dans ce bidonville? Illisible. Bonsoir. Excusez mon intrusion, la porte était ouverte. Je vous prie d'excuser ma curiosité. Il se trouve que j'accompagne cette tribu de nomades qui campe dans le stade. Ils ont absolument besoin de se rendre dans un temple qui se trouvait ici, quelque part, avant toutes ces transformations. Avez-vous entendu parler de ce mystérieux temple? C'est un endroit très important pour les Yukol, un lieu sacré. S'il existe encore, peut-être avez-vous une idée d'où il se trouve? Permettez-moi d'insister. J'ai parcouru ce parchemin avant que vous me le confisquiez. Et tout me porte à croire qu'il a été rédigé par un ancien membre de la tribu des Yukol. C'est un mélange de plans et de notes dont, je l'avoue, j'ai du mal à comprendre le sens, mais qui manifestement indique comment trouver le temple sacré. Ce document semble très précieux pour vous. Mais vous devriez vous résoudre à me le confier. Les Yukol seront perdus s'ils n'arrivent pas à trouver le temple sacré. Kantika. On m'a parlé de lui. C'était le guide spirituel de la précédente transhumance. Vous le connaissiez? Les contremaîtres l'ont tué. Ils l'ont fait travailler. Travailler. Et puis travailler encore. Pire qu'un animal. Je ne donnerai pas le livre de mon père à quelqu'un de leur camp. Il faudra que tu me tues. Je vous trouve bien sectaire. Sous prétexte que je ne ressemble pas à une Yukol, je serai leur ennemi et la vôtre? Tout ton boniment est bien rodé, faut reconnaître. Mais même si tu dis vrai, tu n'es pas une Yukol. Pas même la moitié d'une comme moi. Que voulez-vous dire? Mon nom, c'est Dunyasha Dubrovskaya Tika.
Kantika, mon père, était le chef des Yukol, qui ont travaillé comme des esclaves sur le chantier du stade. Il s'est mis avec une habitante de par ici, une femme qui travaillait aux cantines du chantier. Et puis, c'est comme ça que je suis née. Vous savez, je n'obéis qu'à la nécessité de fuir ceux qui nous poursuivent, la caravane Yukol et moi-même. Ces gens nous veulent du mal. Les Yukol que j'accompagne sont juste là, dehors. Je peux chercher l'un d'entre eux qui témoignera de ma bonne foi. À quoi bon ? Tu les as peut-être envoûtés, Bolchevik ! Les Yukol, c'est comme des enfants. Ils diront ce que tu veux qu'ils disent. Il y a quelques mois, les Yukol m'ont sauvé la vie. Aujourd'hui, j'essaie juste de les aider. Si vous avez du sang Yukol qui coule dans vos veines, alors vous devriez faire pareil. Tu siffles bien. Comme les vipères qui se chauffent au soleil sur le béton du stade les jours d'été. Je repense à ce que vous avez dit à propos de votre père, Kantika. Vous savez, il est considéré désormais par les Yukol comme un grand esprit bienfaisant. Précisément parce qu'il a décidé de se sacrifier pour sauver le temple des cérémonies sacrées afin que toutes les migrations futures puissent continuer d'obtenir la bénédiction des esprits. C'est bien. Il ne faut jamais oublier les esprits. Ti Espiritulu Makra Enok Biknok Vanu. C'est ce qu'on dit chez les Yukol pour lui rendre hommage. Que ton esprit rejoigne celui des ancêtres et que ton sacrifice ne soit jamais vain. C'est donc ce que disent de lui les Yukol. Même une bol... même ceux qui ont fait construire ce stade ne pourraient pas le savoir. Tu donneras le carnet à votre guide. Il saura le comprendre s'il est vraiment qui tu prétends. L'esprit de mon père le guidera. Merci. Ne me remercie pas trop vite. J'ignore où se trouve le temple et, même en possession du manuscrit, le trouver ne sera pas facile. Il y a eu tellement de béton et de fer ici. Parfois, les esprits sont impuissants. Une dernière chose. La nouvelle caravane. Tu penses que son guide pourrait venir me voir ? Je n'ai pas eu beaucoup de compagnie. Alors, si je pouvais parler avec les miens. Bien sûr, je comprends. Vous pouvez compter sur moi. La prochaine fois, réussirai sans aide. Merci, Miss Ketfork. Personne ici. Toc, toc. Voyage plein d'embûches. Esprit mécontent.
Miss Catwalk, plaisante, plaisante de la voir. Transhumance pourra pas continuer sans bénédiction esprit. Chaman dit de pas craindre mauvais esprit. Plus peur d'homme métal, lui rigolo. Comment avancent tes recherches, Kate Walker? Eh bien, il se trouve que j'ai croisé la fille de ton prédécesseur, Kantika, dans le cimetière là-bas. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Elle est seule depuis longtemps. Ça la rend un peu étrange de prime abord, mais assez sympathique au final. Tu penses qu'elle pourrait nous aider à trouver le temple? Elle m'a confié le journal de son père. J'ai bon espoir qu'il m'aide à trouver rapidement le temple, mais il est écrit en Yukol. Tu penses que tu pourrais le traduire pour moi? Bien sûr. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu accepterais de lui rendre visite? La pauvre est seule depuis des années, et voir quelqu'un de la tribu lui ferait sans doute beaucoup de bien. Je serais honoré de rencontrer la descendante de celui qui a sauvé le temple. J'irai dès que je t'aurai traduit ce journal. Donne-le-moi, s'il te plaît. Personne ici. Toc, toc. Oh, voyage encore long jusqu'à Olilanza, terre sacrée des Autruches.
Shaman essaie de faire dire à Esprit possession du temple. Thank you.
Des outils, Yukol. Ils ont l'air d'être là depuis un moment. Doit exister un indice pour trouver Temple Lune Rouge. Mauvais esprit rôde. Brrr.
doit exister un 10 pour trouver Temple Lune Rouge. Des outils, Yukol. Ils ont l'air d'être là depuis un moment. Chers amis, nous tenons à vous informer que l'épisode va terminer à sa fin. On se retrouvera peut-être pour le prochain épisode. Je l'espère. Que dire de plus ? On se retrouvera pour l'épisode 14. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et dorénavant, je tiens à vous informer que oui, on essaiera de trouver l'indice dans le prochain. Parce que je ne sais pas très trop essayer de m'attarder dessus. On va voir si Kirk a été voir la fille là. Non, on va aller voir s'il a été voir la fille et puis on va se renseigner de voir tout ça. Enfin voilà, on va essayer Pourquoi de voir. Pourquoi ne rejoins-tu pas Dunyasha Dubrovskaya Tika? Ta place est. Et moi je vous dis dans le prochain épisode. Ce soir, ciao ciao l'épisode, les amis, ciao, salut. Oh mon guide. Mais. Il faut bien que quelqu'un mette les futures caravanes sur la voie du temple et s'assure que ceux qui ont voulu le détruire ne parviennent jamais à leur fin. Or, j'ai promis sur le lit de mort de mon père que ce serait moi. Il y a peut-être un autre moyen. Je ne pense pas, ô mon guide. Et de toute façon, je ne me vois pas vivre loin des esprits de ma famille. Merci. Merci de m'avoir permis de retrouver les miens. Merci. Merci de m'avoir permis de retrouver les miens. Si j'avais pensé un jour pouvoir parler à une descendante de la migration précédente... Certains sont morts pour la tribu, d'autres pour les aider. Que tous, nomades ou non, soient honorés à jamais. Quelque chose cloche. Illisible. Illisible. Et voilà les amis, donc on arrive au niveau, donc, bien sûr, de cet épisode. Et on se retrouve, bien sûr, pour l'épisode 14. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, salut à tous. Ciao, bye bye.